Salut à toutes et à tous, alors c'est Galaxy Mathias. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur GTA V. Alors là, désolé, je filme sur ma télé, donc ça filme, c'est très mauvaise qualité. Hein. Donc, je fais sur GTA V. C'est deux petites astuces. Alors, déjà, comment avoir la Bugatti Veyron ou la Adair. Donc, c'est cette voiture, hein, vous l'aurez sûrement reconnue. Alors, l'endroit. Donc, vous allez forcément dans le menu pause. Hop. C'est. Alors, attendez. Là, vous vous déplacez, c'est là. Là où il y a le t-shirt et le coiffeur. Alors, elle se trouvera par là, là, à peu près. Hein? Moi, je suis déjà allé la récupérer. Alors, ça, c'est la première astuce. Donc, voilà. Là. La deuxième astuce, elle se joue qu'avec Franklin. Alors voilà, moi je l'ai pris. Hein. C'est pas vraiment une astuce, c'est un avantage pour ceux qui adorent les voitures. Alors, ça se passe pas très loin de chez Trevor, ça se passe en haut là, au Los Santos Custom, qui est en haut. Donc celui-là, c'est pour 349 000 $. Vous pouvez avoir une propriété, alors c'est cette propriété là. Oh, c'est vraiment en mauvaise qualité. Alors vous achetez cette propriété et tout ce que vous ferez dans Los Santos Custom sera gratuit. Par exemple, moi j'ai pris la Adair ou la Bugatti Veyron, comme on veut, et tout est gratuit maintenant, donc je peux faire beaucoup de choses. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que vous serez peut-être pas très voiture, mais c'est juste un petit conseil, il faudrait trouver... Faudrait que vous trouviez une Cadillac. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Essayez de trouver une Cadillac et essayez d'aller la customiser. Je peux vous dire que c'est beau. Vous en avez pour à peu près 60 000 $, je crois. Mais alors, on peut faire des trucs. Bon, après, faut être arrivé assez loin quand même dans le jeu. Moi, je suis pas rendu très loin, mais regardez. Je suis rendu à 46,2% du jeu. Et avec ça, j'ai pu, avec Franklin, je viens de faire un braquage, j'ai eu 444 000 $. Alors là, forcément, j'en ai dépensé pas mal pour le Los Santos Custom. Mais bon, moi qui suis très voiture, ça va me... je vais bien aimer. Hein? Alors voilà, je faisais juste une petite vidéo comme ça, parce que beaucoup de gens me disaient « Ah, t'as pas fait de vidéo, faudrait que t'en fasses sur GTA 5 ». Alors voilà, c'est une dédicace pour vous, hein. Copains du collège, les copains loin. Voilà. Salut à tous.